Salut tout le monde, c'est Zatara, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui sur Clash of Clans. Comme vous pouvez le voir, j'ai une nouvelle intro, je l'ai créée moi-même. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Désolé pour le message. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mon intro. Si elle est bien ou pas, ce que je pourrais améliorer Ouais, ce que je pourrais améliorer ou bien enlever ou quoi. Bon, attendez, désolé. Et donc, on se retrouve aujourd'hui sur Clash of Clans, comme je l'ai dit. Je vais vous présenter une technique de farm HDV9, voire peut-être HDV10. Sauf que vous pouvez avoir plus de troupes et plus de sorts. Donc, Après, les HDVD, vous améliorez comme vous voulez pour avoir plus de troupes, ce que vous pensez ou quoi. Voilà, c'est Money Brooker qui m'a montré cette technique de farm. Je tiens à te remercier, Money. Ok, Naresh. Petite dédicace à toi et à Money. Donc, voilà. Commençons tout d'abord par le point de vue. Donc voilà, on peut voir qu'il attaque avec 12 géants, 4 sapeurs, 8 sorciers, 4 valkyries. Non, 4 guérisseuses, pardon. 8 valkyries, 2 sorts de soins, 1 sort de rage et 1 sort de saut. Dans le château de clan, on a mis séisme, mais on peut mettre si bien des squelettes, un speed, un poison. Ça, c'est comme vous le voulez. Donc voilà, comme on peut voir, clairement, c'est un village plus ou moins anti-3. Comme on peut voir, le château de clan n'est pas possible d'être sorti avec un cochon. Il faut percer un mur, voire peut-être détruire une ou deux défenses avec le cochon pour y arriver. Oui, non, il faut obligatoirement percer un mur et essayer d'atteindre là ou quoi. Donc on voit quand même que c'est un village assez bon, défense maxée, des murs level 9 avec quelques murs niveau 10, roi niveau 18, sa reine était en repos à mon avis, elle reprenait des vies. Donc voilà, lui on peut voir qu'il a le roi niveau 16 et la reine niveau 15, c'est préférable à la reine niveau 15 pour faire un queen walk, sinon elle meurt prématurément. Donc passons maintenant tout de suite au gameplay. Donc on peut voir, pour commencer, il a placé sa reine avec les 4 valkyries derrière. Donc on peut voir maintenant qu'elle se fait attaquer par deux défenses en même temps. Donc ce qu'il faut pour la reine, c'est qu'il n'y ait pas plus de 3 défenses à la fois dessus. Sinon elle meurt trop vite. Donc voilà, ici on peut voir qu'il a placé ses géants et les sapeurs pour faire un trou, mais malheureusement ça n'a pas réussi. Des sapeurs à lui sont morts. Voilà, il place ses valkyries qui ont détruit, enfin qui ont tué le roi rapidement, plus ses sorciers qu'il a placés. Il a placé son sort de saut, oui, un sort de soin. Donc on peut voir quand même que là il est en train de faire un joli carnage avec toujours toutes ses troupes full vie. Donc voilà, ces géants ont réussi à pénétrer dans le centre. Ils vont détruire un mur. Ils placent le sort de rage correctement pour qu'après, quand elles avancent, elles soient toujours ragées. Son roi est ragé en même temps. Donc on peut voir ici que les Valkyries sont en train de faire le taf en tournant. Elles détruisent tout ce qu'il y a autour. Ici, on voit les géants qui ont bien pénétré au centre et qui sont en train de tout détruire. Bon, est-ce que je vois ces pièges était désamorcé, à mon avis il sait pas quoi sa dernière attaque, ou alors il a oublié de les amorcer.
Donc on voit quand même qu'il ne reste plus beaucoup de bâtiments défensifs avec sa reine qui est full vie. Il a encore le pouvoir du roi. Il a encore un ou deux géants, mais ils vont vite mourir. Il lui reste deux sorciers aussi. Voilà, maintenant c'est son roi qui va prendre tous les dégâts pendant que la reine et les sorciers font un peu de taf. Donc on voit quand même que c'est quand même une très bonne technique de farm. Voilà, il est passé, il est en master, mais comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, c'est préférable cristal pour farmer. Sinon, il y a aussi comme technique de farm classique le barbare archer, mais ça va être un petit peu plus compliqué, car les ressources sont surtout dans les réserves. Moi, comme vous pouvez le voir, je suis en cristal. Regardez mon dernier gameplay. Voilà, et ça, le dernier gameplay, j'ai attaqué pour tout le noir. Un petit coucou Benjafé et coucou Naresh. Ok, dédicace à vous. Je vais mettre merci Monet pour les troupes qu'il m'a données. Donc, ici, voilà, j'ai attaqué un HDV9. Bon, je cherche après de l'or, surtout pour améliorer mes murs, car il me reste 48 murs seulement à passer niveau 9. Comme ça, après, je peux directement les passer au niveau 10. Donc, on voit quand même que c'est un bon village avec de bonnes défenses. Voilà, moi, je ferme en go IP, car je sais très bien que quand j'attaque, je récupère tout ce que j'ai. Et de l'élixir, je suis tout le temps full. D'ailleurs, quand je suis plein, j'améliore un mur avec et hop. Ainsi de suite, à chaque fois je reviens à 8 millions, j'améliore un mur, je reviens à 8 millions, j'améliore un mur. Donc voilà, on voit quand même que je lui ai fait un joli petit carnage. Si mes héros auraient été de niveau supérieur, j'aurais pu lui faire un 100%. Maintenant passons au troisième gameplay, je vais vous montrer. Voilà, c'est celui-là. C'est un HDV10 qui a arrêté de jouer. On voit qu'il a un clan, mais bon, ses tours. De l'enfer et ses arcueils sont désamorcés, plus ses pièges. Donc voilà, ici je lui ai fait quand même un joli petit carnage. Moi, c'est ma technique de farm, go IP. Maintenant, chacun choisit. Il y a le go IP qui est très bien comme technique de farm. Ça coûte un peu cher, certes, mais on récupère deux fois plus en attaquant. Et il y a celle que je vous ai montrée de Money, qui coûte pas spécialement très très cher et qui est très bonne aussi pour farmer. Donc maintenant c'est à vous de choisir. Moi je choisis le go IP comme ça je suis sûr. Donc on voit ici quand même que je lui ai fait un gros carnage. Hein. Voilà, j'ai détruit ces deux tours de l'enfer. C'était bien, ça m'a permis d'augmenter dans mon succès. Et je lui ai détruit ces trois arcs-X aussi je pense. Donc voilà, ça m'a permis d'améliorer dans mes succès. C'est très vraiment cool. J'aime bien trouver des villages comme ça. Comme ça me permet d'améliorer mes succès et tout ça. On voit aussi que j'ai pillé beaucoup de noirs. Si vous voulez piller beaucoup de noirs aussi, faites. Oui. Si vous voulez piller de noirs, beaucoup de noirs, il y a soit en master ou en cristal pour piller beaucoup de noirs. En champion, c'est un peu plus compliqué vu qu'on trouve souvent des HDV 10 et 11. On trouve aussi des HDV9, mais c'est plus rare. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Aussi, j'aimerais dire merci Zarior. C'est grâce à lui que j'ai pu faire une nouvelle intro. C'est lui qui m'a expliqué pour une application. Je tiens à te remercier à toi. Spéciale dédicace aussi à toi, n'hésitez pas à aller vous abonner à Zarior, il a 51 abonnés comme moi. Merci, j'espère que ça vous aura plu. Ciao tout le monde, peace.